ce tout premier live Thermomix de 2022. Et pour commencer l'année en beauté, je ne suis pas toute seule, je suis avec Clara, la directrice digitale de Thermomix. Bonjour Clara et bienvenue. Salut Cindy, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aussi pour ce premier live de l'année. Un live en plus très très gourmand. Donc on commence l'année avec des bonnes résolutions et des bonnes nouvelles. Alors Cindy, aujourd'hui ça va être un live dédié à un moment qu'on adore, nous chez Thermomix. Eh bien la semaine prochaine, je crois que ça va être le moment de la chandeleur. Et donc qui dit chandeleur dit forcément crêpe. Et oui Clara, dit chandeleur dit crêpe. Et ben aujourd'hui, je ne vous ai pas prévu non pas une, mais deux recettes. Vous allez voir pourquoi tous les petits gourmands seront contents. Super. Alors, deux recettes de crêpes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Cindy ? Oui. Alors, ces recettes de crêpes, vous allez voir aujourd'hui, on ne va pas cuisiner avec notre cookie doux, comme d'habitude sur le Thermomix. On va cuisiner avec notre super nouveau livre, Une année en cuisine avec Thermomix, qui vous accompagne sur toutes les saisons. Voilà, été, automne, hiver... printemps, vous avez des recettes adaptées à chaque saison. Et pour l'hiver, on a forcément une recette de crêpes classiques, on va dire, à la vanille, et une recette de crêpes pour ceux qui sont sans gluten et vegan. J'ai pensé aussi à vous voilà, aujourd'hui, parce que je sais qu'à chaque fois, vous me le dites en commentaire. Et pour ceux qui sont sans gluten, comment est-ce qu'on fait? Pour ceux qui sont vegan, comment est-ce qu'on fait? Ben aujourd'hui, on va faire plaisir à tout le monde. Mais avant ça, avant de commencer, pendant que je prépare mes petits ingrédients, Clara, on a peut-être une question à poser à notre communauté. Déjà, bonne année. Avez-vous des bonnes résolutions pour commencer l'année? Et puis surtout, dites-nous, moi j'adore à chaque fois, Clara, demander d'où est-ce que tout le monde nous regarde. Parce que je vois qu'à chaque fois, on n'est pas qu'en France métropolitaine. On dit coucou aux Dom Tom qui nous regardent très souvent. Coucou aussi au Canada, parfois qui nous regardent aux Émirats Arabes. Voilà, il y a du monde partout. Donc coucou à tout le monde et bienvenue. Super, merci. Alors c'est parti. Allez, moi j'ai envie de rentrer tout de suite dans les recettes. Et surtout, j'ai hâte de découvrir ces deux recettes de pâte à crêpes. Et vous savez que la pâte à crêpes, c'est une des recettes qui est le plus téléchargée sur Cookidoo. Parce qu'en effet, on sait que vous adorez ça. Alors, on commence par mettre dans notre bol 3 œufs entiers. Voilà. 250 g de farine. Donc là, j'ai pris de la farine classique. Ok, donc jusque-là, tout va bien, Cindy. Jusque-là, rien de compliqué, rien de sorcier. On va mettre ensuite 25 g de sucre en poudre. Donc là, j'ai pris du sucre roux, du sucre de cassonade. Tac. Super, je vais te libérer un j'ai peu. J'ai un aujourd'hui, parfait. Je change les rôles, c'est super. Alors, je regarde notre livre, que nous dit-il ensuite? Donc, le sucre en poudre et les graines de la vanille. Alors, j'ai une petite astuce pour vous quand il s'agit de vanille. Parce que je viens de La Réunion. Donc la vanille pour moi c'est toute une institution. Donc pour récupérer les grains de la vanille, on la fend en deux bien sûr. On va venir ensuite l'écraser avec la lame de son couteau pour retirer un maximum de gousse qu'on va pouvoir mettre directement dans notre bol. On était très à l'aise. Et surtout, je vous le dis, ne jetez pas vos gousses utilisées. Parce que en fait, la gousse, elle contient plein d'arômes, plein de saveurs. Et Clara, je vois que tu as pris ton petit pot de sucre à côté de toi. Je te propose que ces gousses de vanille, une fois qu'on a enlevé les graines, qu'on les mette dans notre pot de sucre, ça va naturellement parfumer ton sucre, Clara. Et tu pourras après, avec ton Thermomix, faire ton sucre vanillé maison. Super. C'est économique et puis c'est tellement meilleur d'avoir des arômes naturels. Et ça sent super bon. Ah bah j'ai été prendre de la vanille de chez moi, Clara. Quand même. Donc coucou à toutes, hein, si vous nous regardez de La Réunion. Voilà, la vanille ce soir, elle est bourbon. Super, hop. Merci. Merci Cindy. Voilà, donc on a mis dans le bol nos œufs, la farine. Il faut que je rajoute évidemment le lait. Donc là, je mets 600 g de lait. Ouh. Et bah Clara, tu m'avais prévenu. Je risquais. Il y avait un petit risque de ne pas le mettre dans un pichet, le lait. C'est ouais. Pas grave, on avait une petite éponge à côté. Voilà. Aléa du direct, hein, ça arrive. Hop. Voilà, j'ai su notre Thermomix. Quand même qu'il a un petit écran. Voilà. Et alors là, Clara, tu vas voir, c'est très facile. Il suffit de régler donc 25 secondes. Donc hyper rapide. Hyper rapide. 25 secondes, vitesse 8. D'abord, ouais. Évidemment, on remet notre couvercle et notre gobelet doseur. Et c'est parti pour 25 secondes. Attention. Et voilà, notre Thermomix a déjà fini la pâte à crêpes.
Donc on va pouvoir la récupérer et la réserver pendant 30 minutes au réfrigérateur. Hop, alors super. Je vais vous montrer. Mmh. Donc là, ça garantit une pâte sans grumeaux grâce au moteur du Thermomix qui est super puissant. Il y a ces couteaux qui ont tout mixé. On voit les graines de vanille là, franchement, rien que de voir ça déjà, ça nous fait voyager. C'est top. Hop. Alors, une astuce aussi que Vanessa m'avait donnée au dernier live, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais votre poignée du Thermomix, vous voyez, elle est en forme triangulaire. Pardon. Ouais. Donc quand on verse comme ça, moi j'avais le réflexe de la prendre vers le haut, mais en fait, il faut la prendre en bas. Et c'est beaucoup plus facile, tu vois, Clara. Ah oui, pour verser. Pour verser sans se tout. Casser le poignet. Donc on a une position qui est complètement ergonomique. Super, et t'es sûre que tu vides tout ton Thermomix. Très voilà. Bonne astuce. Donc je gratte un petit peu ce qui reste sur les bords de mon Thermomix pour ne pas en perdre une goutte. Et voilà. Super, hop. Merci Cindy. Alors, on vous rappelle ce livre que Cindy vous a montré. Eh bien, il est offert avec le fameux moule à Varoma que vous connaissez peut-être pour certains, qui permet de faire des préparations directement dans votre Varoma à la vapeur. Eh bien, ce livre et le moule sont offerts pour toute organisation d'un atelier avec 3 invités. Donc, courez oui. Organiser un atelier ce mois-ci. Alors, on continue sur nos préparations. Là, on a la pâte Clara. Qui nous attend derrière, mais on ne va pas rester à l'attendre sans rien faire. Mais non, on va passer à la deuxième recette de crêpes. Exactement. Vous êtes prêts à la maison ? C'est parti pour une recette de crêpes sans gluten. Alors là, c'est super simple, Clara, tu vas le voir. Ouais. On a seulement 3 ingrédients. Ah oui, tu n'as pas beaucoup d'ingrédients là. Et non. Donc cette recette, elle est toujours juste en dessous, sur la même page du livre, la page 270, pour ceux qui veulent noter à la maison, qui ont déjà le livre. Il suffit simplement d'avoir de la farine de riz. Ouais. Donc, pour être très précise, 200 grammes, Clara. Ok. 400 grammes de lait de coco. Ok. Un petit peu de sel et 125 grammes d'eau. Ok, ça marche très bien. Jusque-là, rien de sorcier. Hyper simple. On trouve ça en plus dans tous les commerces à côté de chez soi, en route pour une pâte à crêpes au lait de coco. Mmh, alors, donc, je mets tout ça dans mon bol. Hein. Alors là, c'est pareil. Pas besoin de s'embêter. Le Thermomix va tout mélanger pour nous. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas oublié le sel. Il est déjà avec la farine. Je mets l'eau. Alors là, j'ai prépesé en amont pour aller plus vite pendant le live. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi, quand c'est des petites quantités d'eau, utiliser votre globédoseur parce qu'il a des petites marques pour 50 et 100 millilitres. Donc c'est très pratique. N'hésitez pas à les utiliser. Bon, là, Clara, je le fais proprement. Hein. Ouais. Attention, le lait de coco. Voilà. Super, très onctueux. Donc, on imagine déjà que la pâte va être aussi onctueuse que le lait de coco. Bah, tu as raison, Clara. Je l'ai faite hier, cette petite recette, pour la tester en avance, parce que je voulais pouvoir vous donner plein d'astuces, vous à la maison aussi qui nous regardez. Alors, j'en ai une d'ailleurs, Clara, à vous donner tout de suite. Cette petite recette, moi, je l'ai goûtée hier, elle est très bonne. Mais ce que vous pouvez faire pour l'aromatiser et pour la rendre encore plus savoureuse, n'hésitez pas à l'aromatiser aussi avec peut-être des petits ajouts. Alors forcément, je suis de La Réunion, donc je dis rhum. J'adore mettre une petite goutte de rhum ambré dans mes pâtes à crêpes. Peut-être qu'à la maison, vous avez d'autres astuces pour aromatiser, de la fleur d'oranger ou autre chose. Mais en tout cas, voilà, cette recette-là, elle est vraiment aromatisée goût lait de coco. Et c'est super agréable, finalement. On peut rajouter ce qu'on veut dessus, et c'est parti. Donc là, à nouveau, hyper simple. 30 secondes, vitesse 8, et c'est tout. C'est parti. Donc vous voyez, très facile à réaliser, rapide. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps... Attention. Et voilà. Bah, t'as vu, Clara, en quelques minutes, on a fait 2 recettes de pâte à crêpes pour faire plaisir à tous les gourmands. Et donc super. Là, je vous montre aussi le résultat. Waouh, super. Et donc cette recette est beaucoup plus pâle que l'autre, hein, normal. Hein, on a mis du lait de coco à la place, il n'y a pas d'œuf. Si bien, ouais, effectivement, elle est un peu plus blanche que la première. On ne retrouve pas les grains de vanille, mais par contre, ça a l'air super bon aussi. Ça sent bon. Tu sais ce que tu sens, l'odeur du lait de coco. Le lait de coco, là, ouais. C'est vrai qu'on voyage, hein, là, ce matin. Et oui. Alors, cette recette de pâte à crêpes, moi, ce que je vous conseille, parce que dans le livre, il est dit qu'il faut la faire reposer 30 minutes. Effectivement, respectez bien ce temps de pause, c'est important, mais ne tardez pas trop à la préparer, à l'utiliser ensuite,
Tout simplement parce que si vous la laissez trop longtemps reposer, cette pâte, la farine va gonfler avec le lait de coco et elle sera beaucoup plus difficilement travaillable à la louche. Elle va épaissir. Et donc là, on voit, elle est bien liquide. Si je vous montre avec une grosse cuillère, vous allez voir un peu la texture. Ouais, elle est très. Elle est fluide. Elle est fluide. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle devienne un peu plus onctueuse et que la pâte s'étale bien sur la poêle. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais je lui dirais, Clara, c'est le premier live que tu fais avec nous, mais tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petits trucs et astuces pour gagner du temps. Les crêpes, on les a déjà fait sauter. Super. D'ailleurs, dites-nous à la maison comment est-ce que vous faites sauter vos crêpes. Est-ce que vous avez une poêle spéciale? Est-ce que vous avez peut-être des astuces pour ne jamais manquer vos crêpes? Est-ce qu'il y a des Bretons qui nous regardent et qui peuvent nous donner leurs secrets? Parce que moi, je suis preneuse, hein. Je ne suis pas une pro de la crêpe sautée, mais voilà. Mais elles ont l'air très bonnes quand même. Eh bien, écoute, moi, je les aime bien quand elles ne sont pas trop cuites. Je sais que chacun cuit à sa façon. Mais voilà, elles sont prêtes à être utilisées et surtout à être tartinées. Ah, génial. Alors, avec quoi on va tartiner tout ça? On a aussi plein de recettes côté Thermomix. Tout à fait, Clara. Je te laisse tartiner et compléter ces belles crêpes. Est-ce que tu sais quelle est la recette par excellence chez Thermomix qu'on adore faire, en plus avec les crêpes? J'ai envie de te dire la pâte à tartiner. Bingo. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi, je vous propose de redécouvrir cette recette qu'on avait déjà faite l'année dernière avec Karine, mais qui vraiment, à chaque fois, met tout le monde d'accord et qui est super bonne. Alors, je l'ai mise, parce qu'elle est de Cookie Doux, donc je l'ai mise dans les recettes de ma semaine. Donc, j'ai plus qu'à cliquer dessus et à commencer à cuisiner. Mais d'abord, je vais me chercher un autre bol. Super. Alors, la pâte à tartiner, c'est effectivement la gourmandise par excellence. Ça fait partie des recettes qui sont aussi beaucoup, beaucoup téléchargées de votre côté. Et c'est vrai que nous, on a grand plaisir à pouvoir la décliner avec aussi différents types de chocolat. Vous allez le voir. Cindy nous a préparé des petites variantes qui vont nous permettre aussi d'avoir des idées pour rendre nos crêpes encore plus gourmandes. Et puis, on a parlé de pâte à tartiner, mais il y a peut-être d'autres choses avec lesquelles on peut tartiner nos crêpes. Et on va vous présenter pas mal de petites choses qu'on peut aussi préparer, tant pour tartiner, mais aussi pour donner du croustillant ou pour apporter un peu de fruits ou de gourmandise. Moi, je viens de Normandie, on met beaucoup de pommes, à l'intérieur des crêpes, en buvant des bonnes choses à base de pommes aussi, et notamment du jus de pomme avec les crêpes. Donc effectivement, on peut faire les variantes régionales de chacun. Alors, c'est parti pour la pâte à tartiner. Hop, alors là, je remets mon bol en place. Je l'ai juste passé sous l'eau parce que les pâtes à crêpes, c'est super facile à nettoyer. Si jamais vous avez une pâte à la maison qui colle un petit peu, n'hésitez pas à mettre un petit coup de nettoyage. En quelques minutes, votre bol se nettoie tout seul et c'est super. Alors, pour la pâte à tartiner, Clara, on a besoin de quoi ? De choses très gourmandes. Ah oui, de chocolat noir, 100 grammes. D'un chocolat de votre choix. Alors moi, aujourd'hui, j'ai suivi la recette de Cookie Doux avec une petite variante. J'ai pris donc du chocolat au lait praliné, mais avec de la feuillantine dedans. Wow, pour que ça croustille super. Un peu et pour apporter de la gourmandise. On a aussi besoin de lait concentré sucré. Donc ça, moi, je l'ai fait en amont avec mon Thermomix. Il y a une petite recette toute simple qu'on pourra vous redonner en commentaire si ça vous intéresse. Dites-le nous. On a besoin d'huile de noisette, de cacao en poudre non sucré. Ouais. Ça, c'est super important. Donc voilà, on a besoin de juste de ça. Et puis vous, à la maison, comme le disait Clara, on peut faire plein de variantes avec cette recette. Karine, vous les avez données. Vous pouvez changer le chocolat. Vous pouvez mettre tout à fait le chocolat de votre choix. Vous pouvez ajouter des petites gourmandises. Sur le côté, j'ai caché à côté de Clara des petites noisettes concassées. Alors ça, c'est très simple. 5 secondes, vitesse 5 au Thermomix. Ça vous permet de concasser des choses. C'est super pratique. Et ça peut ramener un peu de croustillant, Clara. Dans notre recette. Je sens qu'on va avoir un goûter et un dîner somptueux, on va dire. On va peut-être faire que du sucré ce soir, d'ailleurs. Bon, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Allez, c'est parti. Donc là, 100 g de chocolat détaillé en morceaux. Hop, directement dans mon bol. Ensuite, là, on va venir mettre le couvercle de notre gobelet doseur sur notre Thermomix et on va venir mixer, donc pour ceux qui nous suivent à la maison, 5 secondes à 37 degrés et on va mettre vitesse 10. Voilà, donc là on est venu en fait broyer notre chocolat, le moudre. Hop, je vais vous montrer le résultat à la maison.
Merci. Voilà. Hop, comme ça, vous voyez, le chocolat, il a été complètement broyé en fine poudre pour qu'il puisse fondre plus facilement. Et donc là, mon Thermomix me dit d'aller racler mes parois pour bien faire tout descendre dans le fond. Histoire qu'on n'en perde pas une miette de chocolat. Ah bah non, il ne s'agirait pas d'en perdre, non. Aucun gâchis. Voilà. Hop. Et ensuite. Alors, on continue. Donc là, 40 grammes d'huile de noisette. Hop, je mets directement dedans. Ça donnera le fameux petit goût de la célèbre pâte à tartiner qu'on aime bien. Toute la gourmandise, sauf que là, c'est de la bonne huile de noisette. Super. Hop, voilà. Hop, je te débarrasse, Cindy. Merci, Clara. Ensuite, 200 grammes donc, de chocolat. Donc, la recette de Cookie Doo vous dit au lait praliné détaillé en morceaux. Donc, moi, j'ai pris mon petit lait praliné à la feuillantine pour encore plus de gourmandise. Hop, super. Je mets bien tous les morceaux, ouais. J'en perds pas une miette. Ouais, parce que sinon, c'est nous qui allons les manger. Hop. Bon, ça va aussi. Hein. Là, je remets mon couvercle et mon gobelet doseur sur tout. Hop, et on va venir remélanger pendant 2 minutes à 50 degrés et vitesse 1. C'est parti. Alors Clara, pendant que notre chocolat fond, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais vu sur le côté un petit peu ce que j'avais préparé comme variante pour mettre sur nos crêpes. Super. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Moi, je voulais vous proposer d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? La couleur ah là là. Est juste incroyable. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le caramel, Clara. Le caramel que tu peux faire avec ton TM6 grâce au nouveau mode cuisson du sucre. Ça fait un super caramel. Alors là, il est un petit peu figé parce qu'il faisait très froid. Mais vous le passez quelques secondes au bain-marie alors, et ça fait un super caramel. Une sauce vraiment hyper gourmande. Ça, c'est top. Donc voilà, n'achetez donc plus votre caramel. Hein. Vous pouvez en faire un bien meilleur avec la recette sur Cookie Doo. Et effectivement, vous voyez une texture qui peut être utile... avec les crêpes, mais aussi avec plein d'autres desserts qui sont sur notre plateforme Cookie Doo. Tout à fait. Alors, il y a une autre, si je te dis, Clara, parce que toi, je sais que tu as des filles à la maison, tu as 3 filles et 3 gourmandes. Ouais. Si je te dis caramel, on peut parfois faire du beurre sucre, ou pourquoi pas pâte à tartiner. Qu'est-ce qu'elles aiment d'autre, sinon, sur leurs crêpes? Moi, elles aiment bien aussi tout ce qui est à base de chocolat ou de spéculoos. Ah, et bien justement, j'ai pensé à tes filles. J'ai aussi préparé, pour vous qui nous regardez à la maison, ça c'est une recette que vous pouvez faire avec votre TM31, TM5 et TM6. C'est pareil, une sauce au chocolat. Alors là aussi, elle est un petit peu figée parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Mais quelques secondes au bain-marie pour la réchauffer ou dans votre Varoma pour la refaire fondre. Et voilà, ça fait une super sauce. Et alors ça, pour les dressages ou les glaçages de gâteaux au chocolat, c'est aussi tip top. Donc super. Allez-y, allez sur Cookie Doo. Elle prend 5 minutes à être faite et c'est nickel. Top, dis donc, on a plein de gourmandises là. Et puis effectivement, tu as mis un peu de craquant avec des petites amandes tout à fait. Que tu as mises dans ton Thermomix pour saupoudrer sur nos crêpes. Top. Donc voilà, donc ça c'est toutes des recettes que vous retrouvez sur Cookie Doo. Comme la pâte à tartiner qu'on va continuer tout de suite. Alors, on me demande de rajouter dans mon bol, je vais déjà vous montrer le chocolat qui a fondu. Alors là, ça commence déjà à être pas mal, Clara. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi j'ai presque envie de m'arrêter là, mais non, on peut pas s'arrêter là. Mais... on pourrait en gourmande que l'on est, mais non, on va aller au bout, Clara, aujourd'hui. Alors, je rajoute mon cacao en poudre non sucrée. Ouais. Voilà. Je rajoute ensuite le lait concentré sucré. Donc, je vous rappelle, à la maison, c'est 400 grammes. Ça, c'est pour les gourmands, hein, le lait concentré sucré. Qui va donner tout le côté onctueux, crémeux, qu'on va pouvoir tartiner à loisir. Et c'est pareil pour la pâte à tartiner, si elle fige un petit peu, si, en fonction de là où vous la conservez. C'est pas grave. Un petit coup à température ambiante pour qu'elle puisse se reliquifier un petit peu. Liquéfier un petit peu, si j'y arrive. Hop. Et vous verrez, ce sera tartinable à loisir, avec plaisir et gourmandise. Allez, on est presque et à 400 grammes, super. Donc je remets mon couvercle et mon gobelet doseur. Et là, le Thermomix va finir sa petite magie. Et donc on va venir mélanger, pour ceux qui se vivent à la maison, une minute et à vitesse 3. Donc je le rappelle, hein, les recettes de crêpes qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est la recette de pâte à crêpes à la vanille et la recette de crêpes au lait de coco et à la farine de riz qui se trouve dans notre nouveau livre Une année avec Thermomix. Clara, vous le disiez, il vous est offert en ce moment pour tout atelier avec 3 invités organisés avec votre conseiller.
Mais il n'arrive pas tout seul, Clara, tu l'as dit tout à l'heure. Il n'arrive pas tout seul, il arrive avec ce super moule à varoma qui vient aussi en complément et avec lequel vous pouvez faire plein de recettes. C'est quoi ta recette préférée, toi, Cindy ? Moi, j'avoue que c'est le marbré vapeur. On vous l'a mis sur les réseaux sociaux cette semaine, enfin la semaine dernière d'ailleurs, parce qu'on est déjà mercredi. Et je sais que vous l'adorez. Alors, petite astuce pour ceux qui, à chaque fois, voilà, font tomber la vapeur sur leur gâteau. Quand vous soulevez le couvercle, déjà toujours à l'envers de vous pour ne pas vous prendre la vapeur. Et surtout, vous laissez un bord du couvercle sur le varoma. Et comme ça, toute la vapeur d'eau qui aura condensé tombera vraiment sur le varoma et pas sur votre gâteau. Et vous verrez, il est onctueux, il est moelleux et surtout, il n'est pas sec. Et ça, c'est vraiment super agréable. C'est vrai que c'est une des recettes préférées de nos accros au Thermomix. Et vous le voyez, il n'y a pas que du sucré dans ce livre. Il y a aussi du salé et il y a notamment aussi plein d'astuces pour dresser et monter ses crêpes. Tout à fait, Clara. Eh bien, ça y est, notre pâte à tartiner est prête. Alors, regardez-moi ce résultat. Ça ne donne pas envie. Waouh. Vous ne vous sentez pas à la maison, mais on a une odeur, voilà. Donc là, c'est prêt à être tartiné sur des crêpes. Super. Petite astuce, Clara, de conservation. Alors moi, là, je vais le mettre dans un petit bol pour qu'on puisse tout de suite le manger. Oui. Mais à la maison, si vous avez, par exemple, comme ici, ce que j'ai pris, des bocaux qui vous ont servi avant avec une préparation préexistante, vous les récupérez, vous les stérilisez au varoma. On vous a mis l'astuce sur nos réseaux sociaux. On pourra vous la redonner en commentaire si vous la voulez. Donc des bocaux verts, c'est toujours plus sympa pour la conservation. Et puis, vous pouvez la conserver une petite semaine. Mais je suis sûre que vos petits gourmands seront passés par là avant et vont tout manger beaucoup plus vite. Donc là, je vais t'en mettre un petit peu, Clara, juste ici pour que tu puisses voir, que tu puisses goûter. Waouh, attends, mais là, je vais goûter. Je ne vais pas m'arrêter juste à regarder. J'ai vu que tu avais une petite cuillère de l'autre côté. Hop. Tout à fait. Bah oui, je suis gourmande. Alors, j'ai pris une gourmande avec moi en live aujourd'hui. Hop. Dites-nous, vous à la maison d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez manger avec vos crêpes ? Genre, je débarrasserai le reste tout à l'heure. Parce que là, franchement, on a envie que d'une chose, c'est de goûter. C'est trop bon. Trop, trop bon. Et on sent le petit croustillant. Ah, tu vois, ça rajoute quelque chose. Qui est vraiment super. Ouais, c'est une très bonne idée. On vous invite aussi à tester avec le chocolat que vous aimez. Avec du croustillant, sans croustillant, chocolat noir, chocolat au lait, blanc. Essayez, voilà. Mais effectivement, ça donne un goût super intéressant. Alors maintenant, il va être temps de commencer à préparer tout ça. On va dresser, oui, Clara. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont nos crêpes donc à la farine de riz et au lait de coco. Donc vous voyez, elles sont un peu plus pâles, même après cuisson. Et alors, une astuce, Clara, quand je les ai fait sauter, il faut bien suivre l'indication que vous donne le livre, à savoir laisser bien la petite croûte se former quand vous les faites cuire avant de les retourner. Okay. Parce que comme il n'y a pas d'œufs pour... tenir la matière ensemble, elles sont plus fragiles. Donc, laissez bien la croûte se former. Et là, vous verrez, c'est comme une crêpe. On la retourne et paf, c'est nickel. Super. Qu'est-ce que je te sers, Clara ? Eh bien, écoute, moi, je connais bien la recette de crêpe classique. Je suis plutôt curieuse de découvrir la recette à base de lait de coco. Je te prends une petite crêpe à base de lait de coco. Tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais les fruits. Je t'ai fait une petite compotée de poire et de banane. Wow. Donc la poire, un fruit de saison, et la banane est aussi, chez nos dom-tom, un fruit du moment. Donc super. On en profite. Je te mets, regarde, une petite cuillerée là au centre. Et alors toi, est-ce que tu plies ou est-ce que tu roules, Clara ? Alors ouais, c'est la grande question. Ah bah toujours. Ça, c'est un peu comme le pain au chocolat ou la chocolatine. C'est un petit peu le débat autour des crêpes. Ouais, moi je vois mes filles, il y en a une qui plie et puis deux qui roulent. Et ben écoute... Aujourd'hui, regarde, je vais proposer un pliage. De plier. En fait, je vous donne une petite astuce à la maison pour faire un petit pliage un peu joli si vous devez servir à l'assiette parce que vous avez du monde à la maison. Donc, n'hésitez pas à plier en fonction de la taille de votre crêpe en deux, en quatre, rabattre les bords. Comme ça, on voit un petit peu la garniture qu'il y a au milieu si vous avez mis une compotée de pommes, comme disait Clara tout à l'heure, ou comme ici, une compotée poire-banane. Et de quoi tu as envie ? De chocolat, de caramel, du chocolat. Eh bien, regarde, je vais te prendre un peu de sauce chocolat. Voilà, je la travaille un petit peu pour être sûre qu'elle soit bien fluide. Et là, ce qu'on peut faire, c'est simplement venir mettre un joli filet. Ah, dis donc, mais Cindy. Oh, magnifique. Là, je te régale, Clara. Ah là là, j'espère ouais. qu'à la maison, vous allez vous régaler aussi, parce que franchement, c'est super facile à faire. Vous avez vu, c'est super rapide avec le Thermomix. Résultat assuré et garanti. Et voilà, on n'a plus qu'à se régaler. T'as une magnifique assiette en plus, Cindy. Oui, ça c'est mes assiettes de graines, je les adore. Tout ce que j'utilise de toute façon dans ma cuisine, en général, c'est du de graines. Hop. Donc on les salue parce qu'en général, ils nous regardent aussi. Un petit coucou à nos amis de chez de graines. Voilà. Donc voilà notre recette, enfin nos recettes d'ailleurs, Clara. On espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé les découvrir.
N'hésitez pas à nous mettre le résultat de vos crêpes à la maison, vos trucs et astuces, ce à quoi vous aimez les aromatiser. On adore échanger avec vous là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je viendrai y répondre juste après ce live directement. Donc n'hésitez pas. Et puis Clara, avant de se quitter, on a une info absolument importante à dire à tout le monde. Il ne faut pas qu'ils loupent cette opportunité. Ah ben oui, parce qu'en ce moment, on a des super offres. Alors effectivement, oui. Les offres du mois, elles sont sur une durée limitée. Et alors Cindy, de quoi tous nos clients peuvent bénéficier en ce moment? Alors pour ceux qui organisent des ateliers, on l'a déjà dit, mais pour ceux qui veulent s'équiper avec le Thermomix, vous avez peut-être craqué ce soir parce qu'on vous a convaincu avec nos crêpes. Eh bien, vous avez bien fait parce qu'en ce moment, jusqu'au 13 février, vous avez pour tout achat du Thermomix, le couvre-lame éplucheur qui vous est offert. Super. Donc le couvre-lame éplucheur, Clara, tu le connais bien toi, mais à la maison, je vous le rappelle, c'est donc un couvre-lame pour couvrir les lames, pour pouvoir faire par exemple de la cuisson sous vide ou de la cuisson lente pour éviter que nos morceaux de viande s'effilochent et soient sous les couteaux. Donc pour la première utilisation, mais on a rajouté une fonction éplucheur. Ça, c'est fini. Top. Et c'est effectivement un tout nouveau produit qui est arrivé récemment chez nous et qu'on vous invite à découvrir. Pour ceux qui sont déjà équipés du Thermomix, n'hésitez pas à effectivement découvrir rapidement ce nouveau produit qui est notre chouchou. Hein. Et je crois qu'il n'y a pas qu'à nous que c'est le chouchou. Hein. Globalement, non, beaucoup de monde qui est à la recherche de ce disque. Alors. Et puis, ce n'est pas tout. Dernière info, Clara, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, vous l'avez peut-être vu sur notre plan de travail, elle se cachait là. C'est notre toute nouvelle machine sous vide. Super. Alors effectivement, tu nous parlais de conservation tout à l'heure, Cindy. Alors ça tombe à pic et c'est vraiment un complément de tout ce qui est bocaux qu'on peut avoir à la maison. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire alors du coup cette super machine? Eh bien tout simplement de mettre sous vide toutes vos préparations, alors plats crus ou peut-être légumes prédécoupés que vous voulez stocker pour la maison en batch cooking, mais aussi tout ce qui va être plats cuisinés, vos herbes fraîches. Je sais que je discutais la dernière fois avec Camille, qui est conseillère sur la région nantaise aussi, et elle me disait, alors moi je prends mes poches, je mets mes herbes fraîches coupées dedans, elles sont conservées nickel, à chaque fois elle ouvre, elle referme avec la même poche pour économiser forcément ce qu'on peut mettre dedans. Et puis bah, surtout, voilà, ça vous permet de faire des cuissons sous vide. Si vous voulez votre Thermomix, c'est vraiment super, vous avez une cuisson maîtrisée. Un poisson, par exemple, du thon, un steak de thon sous vide au Thermomix, c'est super, super bon. Donc encore plus d'autonomie et toujours tout ce qu'il faut avec Thermomix pour pouvoir avoir une alimentation hyper saine. Saine, équilibrée et variée, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec notre super copain, le Thermomix. Exactement, alors je crois que nous, on va se régaler maintenant, là, dans quelques minutes. Et puis, on va vous remercier d'avoir été avec nous et nous avoir accompagnés. On va vous souhaiter bon appétit parce qu'on vous souhaite des crêpes de toutes les façons à la maison. Oui, amusez-vous bien aussi avec vos proches, les enfants. C'est toujours un moment sympa aussi de pouvoir dresser et manger ses crêpes tous ensemble. Cindy, un grand merci pour cette première recette de l'année. On a hâte de voir les autres. Et puis, eh bien, on vous dit à très bientôt. Au 9 février, Clara, pour le prochain live. Essayez de deviner le thème. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci. Bye bye.